Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette première journée de rencontre en lien avec l'exposition qui vient d'être tout juste inaugurée jeudi dernier, donc à la grâce de Dieu, les églises et la Shoah. Alors aujourd'hui, cette journée sera structurée en deux temps. Tout à l'heure à 16h30, donc une conférence Les églises et le tournant de l'été 1942. En présence de Nina Valbosquet, Elliot Nida Morvieto, André Encrevé sous la présidence de Tal Brutmann. Et tout de suite, une première conférence, qui est en fait une conférence inaugurale pour vous présenter les grandes lignes, les grandes thématiques, les grands enjeux de l'exposition, en présence donc de Nina Valbosquet, qui est la commissaire scientifique de l'exposition. Je voulais très brièvement vous donner quelques éléments aussi qui ne sont pas encore publiés, mais il y aura toute une série de rencontres, conférences, projections de films à l'auditorium qui accompagnent l'exposition, qui sont l'occasion, vous le savez, d'approfondir certains éléments qui sont abordés ou d'autres qui ne le sont pas tout à fait. Donc je voulais partager avec vous ces éléments en avant-première, on peut dire, ce sera publié dans quelques semaines. Ces rencontres se tiendront donc au mois d'octobre. Il y aura notamment une rencontre sur antijudaïsme chrétien et antisémitisme moderne, Église juive chrétien au Moyen Âge, avec donc une perspective de réflexion sur le temps long. On projettera bien sûr le film Amen de Costa Gavras en sa présence et en présence également de l'auteur du film qui est donc Jean-Claude Grimbert. On reviendra sur des éléments dont on aura parlé cet après-midi, mais peut-être plus approfondis pour ce qui concerne spécifiquement les lettres pastorales de l'été 42 pour l'Église catholique, mais aussi pour les protestants. Ensuite, il y aura aussi une rencontre le 16 octobre, les Églises face à la Shoah, perspective européenne, qui nous permettront de revenir sur les situations dans les différents pays européens, Pologne, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, également Belgique, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et Italie. Donc ça, c'est une très ample journée le 9 octobre qui débutera dès le matin. Nous aurons aussi une rencontre autour des intellectuels chrétiens et de leur engagement concernant la persécution des Juifs et les arrestations et les déportations le 20 octobre avec les grandes figures d'intellectuels et aussi leurs médias comme Combat, Témoignages chrétiens, enfin, nous y reviendrons. Et puis, toute une journée aussi sur les religieuses et religieux en résistance, c'est-à-dire les chrétiens et chrétiennes qui se sont, protestants, orthodoxes et catholiques, qui se sont engagés contre le nazisme et le régime de Vichy. Et enfin, au mois de décembre, le 11 décembre, on retrouvera à nouveau Nina Valbosquet, puisque vous dirigez un dossier sur les archives du Vatican qui permettront, en présence des principaux contributeurs de l'ouvrage qui paraît beaucoup plus tard, qui paraîtra en 2023, donc ce sera effectivement là très très en avant-première aussi, on a convié un certain nombre de chercheurs internationaux qui ont donc documenté ces nouvelles archives qui sont ouvertes depuis peu de temps et qui nous permettent de réenvisager cette question de l'attitude du Vatican face à la Shoah. Voilà, Nina Valbosquet, vous êtes agrégée d'histoire, docteur en histoire. Vous êtes actuellement membre de l'École française de Rome. Vous avez été reçu de nombreuses bourses de recherche pour vous aider dans vos travaux importants de la part de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de Columbia University, de Center of Jewish History de New York University, de l'USHMM également, donc à Washington. Vous êtes lauréate du prix de la ville de Paris pour votre recherche sur la xénophobie et l'antisémitisme en 2015. Et vous avez publié donc tout récemment votre thèse en 2020 au
aux éditions du CNRS, Catholique et antisémitisme, le réseau de Monseigneur Benigni, Rome, Europe, États-Unis, 1918-1934. Et vous travaillez actuellement, donc on peut le dire officiellement, pour votre prochain livre qui va paraître chez La Découverte, hein, sur justement le Vatican et les catholiques face à la Shoah. Donc vous êtes l'une des meilleures spécialistes aujourd'hui. Vous êtes évidemment spécialiste de l'antisémitisme, du catholicisme et du fascisme. Vous avez travaillé sur les questions aussi judéo-chrétiennes, sur Jules Isaac notamment, sur la question des réfugiés, de l'humanitaire et des droits de l'homme, qui sera au centre aussi des problématiques qu'on abordera le 11 décembre sur le positionnement du Vatican sur ces questions. Vous avez, pour vos tout derniers articles parus donc dans la Revue d'Histoire moderne et contemporaine en 2022, dans l'American Jewish History, Modern Italy, Journal of Modern Italian Studies et Archives, Archives juives, pardon, également. Voilà, merci infiniment. Vous êtes surtout, on l'a dit, la commissaire scientifique de l'exposition. Donc, ce premier temps de présentation va durer à peu près 45 minutes. Et puis, on aura ensuite un temps d'échange avec le public. Merci. On va voir, oui, un tout petit film avant que Nina Valbousquet prenne la parole, qui présente très brièvement l'exposition. Enfin, je vous invite à aller la voir, surtout, elle est très dense, au premier étage de notre institution, et de prendre le temps de revenir peut-être plusieurs fois. Voilà, on va juste lancer le très court film, et puis ensuite commencer la conférence. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Ah, non. Bonjour. Oui, là, ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être ici, nombreux, nombreuses. Merci beaucoup, Pauline, pour ces mots d'introduction, très chaleureux. Je tiens à remercier Jacques Frejd et Sophie Nagiscard qui m'ont confié le commissariat scientifique de cette exposition il y a un peu plus d'un an. Je tiens également à remercier tous les auteurs et autrices du catalogue, de l'exposition, tous nos prêteurs, tous ceux qui ont contribué à la réussite, je pense, de cette exposition. Et je tiens surtout à remercier ma collègue Caroline François, qui est également commissaire de cette exposition et sans laquelle cette exposition n'aurait pas été possible. Je crois que notre détermination à toutes les deux a beaucoup fait pour, notamment, vous verrez, le nombre d'archives et de documents obtenus. Et je remercie donc tous les amis et collègues présents aujourd'hui. Je souhaiterais partir d'un exemple qui illustre le titre de notre exposition, À la grâce de Dieu, un titre qui généralement interpelle. L'expression est employée par le père Jacques de Jésus, un religieux de l'ordre des Carmes, né Lucien Bunel. Il est professeur, pédagogue au service de la direction du petit collège d'Avon, à côté de Fontainebleau, à partir de 1934. Son histoire, vous la connaissez probablement par le titre, par le film de Louis Malle, qui était lui-même élève au petit collège durant la guerre, le film Au revoir les enfants de 1987.
Le père Jacques accueille et cache au petit collège trois enfants juifs durant la guerre et un professeur juif, Lucien Veil. Il est arrêté après dénonciation le 15 janvier 1944 en pleine salle de classe avec les trois enfants et l'enseignant juif. Ces derniers, les trois enfants et l'enseignant, sont déportés à Auschwitz par le convoi qui est parti le 3 février 1944 et ils n'en reviendront pas. Le père Jacques, lui, est interné au camp de Compiègne, puis déporté à Mauthausen le 21 avril 1944. À la libération du camp, il n'a plus assez de force pour être rapatrié et il meurt à l'hôpital le 2 juin 1945. Quand il décida avec courage de cacher les trois enfants juifs au risque de sa propre vie, le père Jacques demanda l'accord de son supérieur. Il déclara s'en remettre à la grâce de Dieu. Donc le titre de l'exposition lui rend hommage. Outre sa dimension spirituelle et morale, cette notion questionne la capacité des acteurs, leur marge de manœuvre, leur évaluation des risques, les dilemmes auxquels ils se sont confrontés durant cette période. Renvoyant à la providence, l'expression nous amène au cœur du sujet. Comment les acteurs religieux interprètent-ils les persécutions? Que disent-ils et comment agissent-ils face à la Shoah? Je dis « ils », mais nous verrons qu'il y a beaucoup de femmes engagées dans cette histoire et c'est un aspect que nous avons souhaité mettre en lumière. Ces questions, elles continuent de travailler la conscience européenne, la mémoire européenne, 80 ans plus tard. Ces questions se posent car c'est toute la difficulté à comprendre pourquoi et comment la Shoah a pu se dérouler dans des espaces de forte tradition chrétienne en Europe. Comment l'injonction « aime ton prochain comme toi-même » a-t-elle été vécue, interprétée, appliquée dans le contexte du génocide, d'une violence extrême? La tradition chrétienne est ambivalente quand on la confronte à la Shoah, partagée entre d'une part un message biblique et évangélique de fraternité, de paix, de charité, et d'autre part un anti-judaïsme chrétien, pluriséculaire, institutionnalisé. Et l'on verra que cette ambivalence profonde, on la retrouve dans les différentes réactions des églises face aux persécutions des années 30 et face à la Shoah. Donc la question a souvent été abordée d'un point de vue théologique, moral et éthique, avec une attention pour la figure des justes. Hein. Il y a eu une exposition au mémorial qui a été consacrée aux justes. Mais pour bien rendre compte de toute la complexité de cette question, nous nous sommes surtout intéressés pour cette exposition aux enjeux politiques, diplomatiques, internationaux et humanitaires, et ainsi pour interroger la capacité de réaction et d'action des institutions et des acteurs religieux, ainsi que leurs limites. Donc pourquoi les églises? Pourquoi s'intéresser aux églises? C'est une question qu'on nous a beaucoup posée depuis l'ouverture. Le père Jacques. Pourquoi les églises? C'est parce que par leur histoire longue, la spécificité de leur mission pastorale et les relations qu'elles entretiennent avec le pouvoir, les églises chrétiennes sont des institutions à la fois spirituelles et temporelles. À l'époque contemporaine, donc à l'âge de la sécularisation, les églises peuvent former des formes de diplomatie atypiques, des formes d'organisation non gouvernementale, transnationale et globale. Leurs moyens d'influence se traduisent par des vecteurs médiatiques, humanitaires, culturels et sociaux. C'est pour cela, et en ce sens, il me semble que les églises sont un observatoire privilégié pour l'analyse des réponses des sociétés face à la violence extrême et face au génocide. Elles sont de plus présentes à toutes les échelles, du sommet du pouvoir au niveau local. Et c'est particulièrement ce jeu d'échelle que nous avons souhaité reconstituer dans l'exposition et les possibles décalages, les possibles tensions entre le sommet de l'Église et les différents niveaux de la hiérarchie ainsi que le monde laïque, avec parfois des visions très dissemblables de l'aide et du silence, de l'action et de la charité. Ici, vous voyez le ghetto de Varsovie rasé
au lendemain de la guerre, où il ne subsiste que l'église qui était destinée aux catholiques d'origine juive. Aujourd'hui, les polémiques se focalisent encore et toujours sur la figure, la personnalité du pape Pie XII. Nous avons souhaité, à travers cette exposition, resituer ces débats dans un contexte plus large. Il s'agit de ne pas se limiter qu'à l'Église catholique, mais de regarder toutes les dénominations, les confessions chrétiennes, et d'en observer la polyphonie au sein du monde chrétien. Puisque Rome a beau prêcher la centralisation hiérarchique, le monde catholique n'est pas un bloc, et le monde chrétien n'est pas un bloc. Donc nous nous intéressons dans cette exposition aux principales dénominations des églises catholiques, protestantes et orthodoxes, avec des points de comparaison entre ces différentes églises, mais aussi même des points de connexion, des points des liens entre ces différentes églises à travers les réseaux notamment de sauvetage. Alors un petit point de méthode finalement avant de rentrer dans le cœur du sujet. Quand le mémorial m'a proposé d'être la commissaire scientifique de cette exposition, je dois avouer que j'étais un peu tiraillée entre, d'une part, l'envie très forte de traiter un sujet qui me semblait important, qui me tenait à cœur, qui est au centre de mes recherches, que je mène encore aux archives du Vatican, qui ont donc ouvert il y a 2 ans sur ces questions-là, et d'un autre côté, la conscience de travailler sur un terrain potentiellement miné, c'est-à-dire un terrain saturé de controverses mémorielles, de polémiques, notamment autour donc, de cette fameuse question de l'attitude de Pie XII face au nazisme et face à la Shoah. Donc, j'avais un peu peur de me retrouver dans un contexte tel que celui de la première de la pièce Le Vicaire en 1963 au théâtre de l'Athénée à Paris. La pièce Le Vicaire de l'allemand Rolf Ockhout dénonçait en 1963 l'attitude passive de Pie XII face à la Shoah, son silence. Voilà. Et la pièce a été ensuite adaptée donc, au cinéma par Costa Gravas, le film Amen de 2002, qui avait aussi relancé ces polémiques. Donc, vous le voyez, la première au théâtre avait provoqué des bagarres épiques. Donc, j'avais d'un côté effectivement cette crainte et en même temps, il me semblait important justement de faire confiance en la méthode historique et de m'appuyer sur cette méthode. Et il nous a importé, avec ma collègue Caroline, de bien présenter au public les différentes clés de compréhension, les différentes clés de lecture de ce sujet, de mettre à plat en quelque sorte les différents éléments, principalement en croisant plusieurs sources, en croisant plusieurs archives, et vous le verrez, notamment sur plusieurs acteurs, plusieurs personnages importants de cette histoire, nous avons vraiment croisé des archives qui peuvent venir du Vatican, des archives jésuites, par exemple, ici en France, des archives du ministère des Affaires étrangères. Donc un croisement d'archives qui permet d'avoir une multiplicité de perspectives sur le sujet. Pourquoi, et notamment donc, les archives du Vatican donc, ouvertes depuis 2020 sur décision du pape François que vous voyez ici. Et donc c'est la première fois donc, que ces archives sont disponibles, c'est la première fois qu'on les montre au public. Il est important, quand on traite ce sujet, de prendre en compte la longue durée. Et c'est aussi une chose que nous avons souhaité faire avec cette exposition, c'est donc resituer cette question non seulement dans la pluralité, au sein de la pluralité des églises chrétiennes en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi sur un temps plus long, qui prend en compte l'après-guerre, vous le verrez, mais aussi donc la longue durée, toute la tradition chrétienne de rapport avec, de relation avec le judaïsme. Cette longue durée, vous voyez ici le pape Pie XII de dos, vous le verrez tout à l'heure de face, mais l'idée c'est d'aller au-delà hein, de cette focalisation sur le pape, hein, parce que tout dans le monde chrétien ne découle pas du pape et ne remonte pas au pape, bien au contraire. La longue durée des relations donc, entre christianisme et judaïsme est importante d'en tenir compte pour comprendre c'est les réactions des hommes et des femmes religieux face à la Shoah. Donc c'est le poids de ce que l'historien Giovanni Miccoli, à qui ma formation doit beaucoup, ce qu'il appelait la mémoire historique de l'Église, c'est-à-dire une habitude
de pensée et d'action qui conditionne en grande partie les réactions de l'Église face aux persécutions. Alors, cette tradition de longue durée, elle correspond à ce que l'historien Jules Isaac, lui-même survivant de la Shoah, a appelé l'enseignement du mépris. L'enseignement du mépris, c'est l'inculcation d'un message chrétien anti-juif au fil des siècles. Pourquoi ? Car issu du judaïsme, le christianisme s'attache à clamer sa supériorité, à se détacher du judaïsme et à clamer sa supériorité sur le judaïsme. C'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Donc, perdant le privilège de leur alliance avec Dieu, les Juifs auraient été remplacés par les chrétiens qui se considèrent le nouvel Israël, le vrai Israël. Cette théologie de la substitution, on la voit bien ici dans le thème de la synagogue aveugle que vous voyez à ma gauche face à l'église triomphante à ma droite, c'est-à-dire la synagogue aux yeux bandés qui représente, du point de vue chrétien, l'aveuglement des Juifs qui n'auraient pas reconnu le Christ comme Messie. Et d'autres stigmatisations hein, à partir de ce discours de dépassement, de substitution et de supériorité, d'autres stigmatisations se greffent, disons, et s'accumulent. On a notamment le thème de la perfidie juive qui découle de l'accusation de déicide. L'accusation de déicide, donc, c'est-à-dire que les Juifs auraient, selon cet enseignement du mépris chrétien, auraient tué le Christ. Ce qui aurait déterminé donc leur perfidie, qu'on retrouve dans plusieurs mythes, et notamment celui de la profanation d'hostie, donc on voit ici torture et profanation d'hostie, ou encore dans l'accusation de crime rituel, qui se développe à partir du XIe, XIIe siècle, sur donc, la torture d'un enfant chrétien par des juifs à des fins rituelles. Et en réalité, on voit bien que c'est une figure qui, d'un point de vue morphologique, reproduit le thème de la crucifixion et donc du déicide. Ce qui était intéressant ici, j'ai choisi ces deux images qui sont dans l'exposition, c'est parce que vous avez, à ma droite, voilà, vous avez une gravure de Nuremberg qui date de la fin du XVe siècle, et vous avez à ma gauche la Difesa della Razza, la défense de la race, qui est le magazine du racisme fasciste, donc en Italie fasciste, une couverture qui date de 1942. Et on voit que malgré les prétentions des régimes nazis et fascistes de racisme biologique moderne, on a un recyclage, une réutilisation de ce langage anti-juif chrétien. Et donc vous voyez bien que c'est exactement donc la même image qui est réutilisée. Donc ce mythe du déicide, ce mythe de la perfidie, s'accompagne de l'idée qu'un châtiment divin se serait alors abattu sur le peuple juif qui aurait été condamné à l'errance et à la souffrance. C'est le fameux verset de Matthieu, « Que son sang soit sur nous et sur notre enfant ». Donc l'idée d'une malédiction, d'une punition divine, ce qui peut expliquer dans certains cas une culture de l'indifférence, une culture du fatalisme au sein du monde chrétien, encore présente à l'époque contemporaine face aux persécutions, une interprétation théologique des souffrances des Juifs. Ce langage anti-juif est donc, je vous le disais, recyclé à l'époque contemporaine. Et vous avez ici Der Stürmer, qui est une sorte de magazine satirique nazi qui reprend donc ce thème de la crucifixion et du déicide. On voit ici en réalité un arien qui est crucifié par une caricature grossière de juifs. Et vous avez à côté le vitrail donc, du miracle des Billettes à Saint-Étienne-du-Mont, ici à Paris, qui reproduit notamment une figure de profanation d'hostie, de torture d'hortie par un juif, que vous voyez en bas à droite. Il est reconnaissable à son chapeau jaune pointu, puisque les juifs, depuis 1215 avait été obligé de porter, par une décision des papes, un signe distinctif qui pouvait être soit un chapeau pointu, soit une rouelle de couleur jaune, couleur de l'infamie. C'est ce qu'on retrouve bien sûr après à l'époque contemporaine dans le signe de l'étoile jaune.
Voilà, un recyclage donc de cette, de toute cette, ce langage, de toute cette iconographie même que l'on retrouve aussi bien en France à la fin des années 30, ici avec cette carte postale Jeanne d'Arc et Orléans, soi-disant aux mains des Juifs, qui date de 1938. 1939, et vous avez également un vitrail construit sous Vichy à Romains-sur-Isère. Donc là, on ne voit pas, mais à l'origine, c'était une francisque, hein, le signe du maréchal Pétain. Donc cette longue durée, elle est, donc, je vous le disais, indispensable à prendre en compte comme contexte, comme arrière-fond. Elle ne détermine pas tout, mais elle est essentielle à prendre en compte. Donc, nous avons souhaité notamment la présenter dans l'exposition. Alors, ce cadre étant posé, il m'est à peu près impossible de résumer cette exposition, je vous conseille bien sûr d'y aller. Je me propose ici plutôt de m'arrêter sur certaines dates, 12 dates, tant qu'à faire, formant les fils possibles de cette exposition comme des sortes d'arrêts sur image, et à partir desquels je vous proposerai donc des développements. Mais encore une fois, l'exposition est très riche et le cycle d'événements dont a parlé Pauline la complétera également. La première date, c'est celle du 30 janvier 1933. Adolf Hitler est nommé chancelier. Donc, dès leur arrivée au pouvoir, les nazis font de l'arianisation de la vie allemande une priorité, y compris dans les églises chrétiennes. Un décret du 7 avril 1933 décrète par exemple l'exclusion des non-ariens du clergé, c'est-à-dire que les chrétiens d'origine juive ne peuvent plus exercer leur fonction dans le clergé catholique ou protestant. Donc une faction de l'Église protestante, qu'on appelle les chrétiens allemands, épouse pleinement cette politique nazie, faisant même de Luther un précurseur de la pureté de la race allemande et visant à déjudaïser le christianisme, donc c'est-à-dire une rupture avec l'Ancien Testament, la figure du Christ arien, donc, voilà, une idéologie qui vise à christianiser, déjudéaïser et arianiser le christianisme. Et vous avez ici l'évêque Müller, qui est l'évêque du Reich. En réaction, plusieurs théologiens protestants, certes une minorité mais significative, dont Karl Barth, vont rédiger en mai 1934 une déclaration de Barmen, qui dénonce le paganisme du nazisme, c'est-à-dire son antichristianisme profond. L'opposition la plus forte parmi ces différents signataires vient certainement du théologien et du pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui proclame dès le départ l'illégitimité du gouvernement nazi. Il propose plusieurs stades d'opposition chrétienne active au nouveau régime, donc une forme de résistance. Et d'ailleurs, il entre en résistance au moment de la guerre. Dès octobre 1941, il a plusieurs contacts internationaux, notamment en Suisse et aux États-Unis, et il donne des premières informations sur les premières déportations des juifs allemands, des juifs de Berlin à cette époque. Il est arrêté en avril 1943, il est exécuté au camp de concentration de Flossenbürg en avril 1945. Côté Église catholique, la politique nazie qui soulève le plus d'opposition est celle de l'euthanasie, donc le programme, l'opération T4, et l'évêque catholique de Münster, Mgr von Galen, le 3 août 1941, proteste officiellement contre cette politique d'euthanasie. L'antisémitisme, en revanche, n'est pas une priorité dans ces protestations. Au Vatican, dès 1933, Pie XI charge son secrétaire d'État, Eugenio Pacelli, que vous voyez ici assis au centre, qui est le futur pape Pie XII, le charge de signer un concordat avec l'Allemagne nazie, un concordat, donc un accord juridique qui permet de reconnaître et de protéger les droits de l'Église catholique en Allemagne. Mais le pape Pie XI, donc le prédécesseur de Pie XII, se rend compte à la fin de son pontificat des dangers du nazisme et du totalitarisme dans son ensemble et commence à dénoncer de plus en plus le nazisme dans l'encyclique de 1937, hein, Brennen der Sorge, mais aussi dans ses discours, et notamment une audience du 7 septembre 1938, en réaction aux lois antisémites en Italie, où il déclare « L'antisémitisme est inadmissible, nous sommes spirituellement des sémites », une déclaration qui est reproduite ici dans la croix. Mais Pie XI décède en février 1939,
Et sa protestation au sein du, disons, reste isolée au sein du Vatican. Et le 2 mars 1939, c'est ma deuxième date, on a l'élection donc d'Eugenio Pacelli, l'ancien secrétaire d'État du Vatican, c'est l'équivalent d'un premier ministre, qui devient, trop proche du micro, qui devient donc le pape Pie XII le 2 mars 1939. Vous avez ici un extrait notamment d'un film qui avait été tourné à cette époque lors de son élection. L'image en couleur, elle est postérieure. Donc, Eugenio Pacelli, il devient le pape Pie XII. Quelques mois après, c'est le déclenchement donc, du conflit mondial. Hein, et Pie XII tente d'être un médiateur pour la paix. Il tente de convaincre les différentes puissances de renoncer à la guerre. Il est donc défenseur de la neutralité du Saint-Siège et il continue à appeler à la paix tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Face au conflit, il entend démontrer le rôle neutre et impartial du Vatican. Ce qui, même face à l'invasion allemande de la Pologne catholique, et même face au traitement brutal du clergé catholique par les nazis en septembre-octobre 1939. Le primat de Pologne, le cardinal Lyonde se rend à Rome dès septembre-octobre 1939 pour supplier le pape de dénoncer les crimes nazis en Pologne, mais le Saint-Siège lui répond qu'il doit maintenir son impartialité dans les affaires de la guerre et qu'il ne peut pas se prononcer. Ainsi, Pie XII déplore les souffrances des innocents, mais de manière très générale, au sein de la radio du Vatican, mais il ne condamne pas explicitement l'agression nazie. Et une partie des catholiques polonais reste désemparée donc dès le début de la guerre. Donc on voit en réalité, c'est disons, le schéma qui va se reproduire tout au long de la guerre, y compris face aux exactions nazies contre les juifs. Donc pourquoi le Vatican est-il si préoccupé par cette question de la neutralité? C'est parce que durant la Première Guerre mondiale, le pape Benoît XV avait été accusé des deux côtés d'être soit un pape débauche, soit un pape francophile. Et donc, pour Pie XII, qui est un pape diplomate, formé, il a une formation de diplomate, entend bien préserver cette neutralité du Vatican qui, comme c'est un État supranational, micro-État supranational qui est censé représenter tous les catholiques du monde entier, ne peut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et Pie XII avait de plus été nonce en Allemagne, c'est-à-dire représentant diplomatique, ambassadeur, de 1917 à 1929. C'est un pape particulièrement germanophile et il n'entend pas rompre les liens avec l'Allemagne, pour plusieurs raisons, mais aussi et surtout pour préserver les droits des catholiques en Allemagne. Des raisons également plus politiques peuvent influencer cette diplomatie prudente. Une certaine proximité avec les partis réactionnaires, les partis de l'ordre, un anticommunisme très fort. Et donc l'idée que le nazisme, le fascisme ou le régime de Vichy, par exemple, sont des remparts contre la menace communiste. Et enfin, des facteurs, parmi les facteurs, bien sûr, ce poids de l'antijudaïsme chrétien qui fait que la question des Juifs n'est pas centrale pour le Vatican. C'est non seulement en raison de cette tradition d'hostilité, mais c'est aussi une question de juridiction ecclésiastique, c'est-à-dire que le Vatican ne prend pas la défense des Juifs parce qu'il considère que ce serait interférer dans la politique nationale des États. Donc on a toute cette multiplicité de facteurs qui explique l'ambivalence de la réaction vaticane face à la Shoah entre d'une part l'aide humanitaire de terrain qui est réelle et d'autre part le silence. Au-delà du pape, le Vatican est une machine administrative et bureaucratique et humanitaire. Et vous avez ici une image du bureau information. Le bureau information, c'est un bureau où les familles vont demander des nouvelles de leurs proches dans toute l'Europe. Et donc ici, on a choisi donc de mettre les sœurs de Saint-Marthe qui donc tapent à la machine les réponses éventuelles.
Donc, pour montrer que c'est une sorte de machine humanitaire qui dépasse la seule question, bien sûr, du pape. On a aussi une autre commission, qui est la commission secours, qui apporte des aides, dont certaines formes d'aide peuvent bénéficier à des juifs. Ce n'est pas une politique spécifique en faveur des juifs persécutés, mais parfois, elle peut toucher des juifs, le plus souvent convertis. Le Vatican s'intéresse avant tout à ses fidèles, ce qui est normal de son point de vue, c'est sa juridiction, et donc s'intéresse avant tout aux convertis et aux familles mixtes, qu'on appelle à l'époque dans les documents d'archives les catholiques non-nariens, c'est l'expression qui ressort des archives. Et à la tête de ces différents bureaux, vous avez ici, tout à gauche, vous avez Monseigneur Montini, qui est un personnage important durant la Seconde Guerre mondiale au Vatican, qui deviendra le pape Paul VI, donc le pape de la déclaration Nostra Aetate en 1965, qui est la déclaration qui récuse cette tradition justement d'anti-judaïsme chrétien. Voilà pour un panorama, disons, très rapide du Vatican. On va y revenir, mais intéressons-nous de plus près au contexte français. Avec le 1er octobre 1940, l'adoption du premier statut des Juifs. Les églises que vous avez ici annotées à la main par Pétain, donc un premier statut des Juifs qui exclut les Juifs d'un certain nombre notamment de professions et qui définit le Juif, dans leur ensemble, les églises ne protestent pas et au contraire sont plutôt complaisantes envers ce premier statut des Juifs. Du point de vue du Vatican, on peut citer ici un rapport inédit du nonce, c'est-à-dire toujours l'ambassadeur du Vatican, le nonce Valerio Valeri, qui est donc nonce depuis 1936 à Paris et en 1940 à Vichy. Et donc, le 29 octobre 1940, il envoie un rapport au secrétaire d'État du Vatican, Maglione, commentant ce statut. Il lui dit que certains aspects de la loi ne sont pas très heureux, surtout ce qui concerne la définition des Juifs, ce caractère racial, mais ces mesures permettent, selon lui, de contrer l'influence délétère des Juifs sur la société française. Alors, je cite ce rapport, qui est en italien. Les Juifs sont exclus dans l'ensemble, non seulement de la direction de la chose publique, mais aussi des administrations centrales, de l'armée et de la marine, et des postes de direction de certaines entreprises, de la presse, du cinéma. Sur ce point, il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur lorsqu'on pense au mal qu'il faisait avec ses moyens. Donc on voit ici une large acceptation de cette législation antisémite de Vichy. Cela dit, le second statut des Juifs, qui lui date de juin 1941, provoque beaucoup plus de critiques, voire des fortes réserves au sein des églises. Pourquoi ? Parce qu'il a une définition beaucoup plus raciale du Juif qui exclut les convertis, notamment catholiques, et avec une référence justement à la confession. C'est-à-dire que quelle que soit la confession professée, protestant ou catholique ou orthodoxe, un Juif de race reste un Juif selon cette loi, race entre guillemets bien sûr. Et donc, ce second statut des Juifs, il provoque un remous au sein des églises, toujours de manière privée, c'est toujours une forme de diplomatie privée. Ici, j'ai mis un exemple parmi d'autres, qui est l'archevêque d'Alger, donc à l'époque en Algérie française, qui écrit au nonce Valéry, donc le représentant du pape, en lui disant donc, pour protéger les catholiques, ces catholiques qui sont d'origine juive. Et il écrit notamment à Xavier Valla. Donc ce second statut, il provoque effectivement plus de critiques, mais toujours en privé. On a quelques exceptions, cela dit. C'est les formes d'aide qui se mettent sur le terrain dès le début de la guerre, dès 1940, avec notamment Madeleine Barrault et la CIMAD protestante que vous voyez ici sur ma gauche, et sur ma droite, l'abbé Glasberg, et les amitiés chrétiennes à Lyon, je vais y revenir, mais donc des formes, des réseaux d'entraide protestants et catholiques qui se mettent en place dès 1940. Et l'abbé Glasberg, avec le père Chaillet, sollicite le cardinal Gerlier à Lyon pour l'aide envers les juifs étrangers qui sont dans les camps, notamment du sud de la France. Donc des formes d'aide qui se mettent en place. Également, dans cette forme d'opposition publique, le pasteur Bogner, que vous voyez ici à ma gauche, qui est le président de la Fédération protestante de France,
il écrit une lettre en mars 1941 au grand rabbin de France, Esaïe Schwartz, qui lui dit toute sa sympathie, la sympathie des protestants pour les juifs persécutés, car eux aussi, les protestants, ont connu la persécution. On en parlera sûrement dans la table ronde tout à l'heure, pour la question des protestants. La lettre de Marc Bockner n'était pas destinée à être rendue publique, c'était une démonstration privée, mais elle a été publiée. Donc, de fait, c'est la première protestation qui a été rendue publique en mars 1941. Et j'ai mis cette photo donc, où vous voyez de droite à gauche Pétain, le cardinal Suard, archevêque de Paris, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon et Laval, cette fois-ci en novembre 1942. L'Église catholique tente de négocier en privé des aménagements au statut des Juifs pour ce qui concerne les catholiques. Donc on est toujours ici dans une forme de diplomatie en coulisses. Mais on a une forte exception à cette collaboration avec le régime et cette approbation de l'antisémitisme de Vichy, c'est les cahiers du témoignage chrétien, qui naissent le 16 novembre 1941, donc des cahiers clandestins, résistants, et notamment donc le premier numéro, « France, prends garde de perdre ton âme en collaborant ». Donc en novembre 1941, je mets ici aussi le numéro d'avril-mai 1942 qui dénonce explicitement l'antisémitisme en s'appuyant notamment sur des déclarations précédentes, notamment celle de Pie XI, « Nous sommes spirituellement sémites ». Le mouvement des amitiés chrétiennes et donc les cahiers du témoignage chrétien sont formés notamment par le père Chalier, que vous voyez ici, jésuite, et par Germaine Ribière, dont vous avez ici une photo. On a mis dans l'exposition ces carnets de Germaine Ribière, elle fait partie de la jeunesse étudiante chrétienne. Elle s'engage dans la résistance parce qu'elle déplore justement la timidité des réactions ecclésiastiques face à l'antisémitisme, dans un premier temps, en 1940-41. Donc en juin 1941, elle déclare par exemple, elle écrit dans son carnet, l'Église, la hiérarchie demeure silencieuse, elle laisse la vérité être profanée. Et c'est pour cette raison qu'elle s'engage dans une action d'aide clandestine et à travers les amitiés chrétiennes à côté du père Chaillet. Le tournant, donc, c'est l'année 1942, je passerai rapidement là-dessus puisqu'on a donc après une table ronde sur ça, mais quelques mots pour expliquer ce contexte. On a d'abord donc la rafle du Veldiv, bien sûr, à Paris, le 16 et 17 juillet 1942. Face à la rafle, le cardinal Suard, archevêque de Paris, envoie une lettre privée au maréchal Pétain en protestant au nom de la dignité de la personne humaine, au nom de la conscience chrétienne. Mais une protestation qui donc reste encore privée, vous l'avez compris. On a par contre des formes d'aide beaucoup plus actives et beaucoup plus franches du côté des orthodoxes, des Russes orthodoxes exilés à Paris. Je vous ai mis ici une photo de la mère Marie. La mère Marie, donc, qui, au sein du centre Lourmel, avec le père Dimitri, vous avez une photo ici du groupe, ce sont des exilés russes qui, dès la fin des années 30, s'engagent contre l'antisémitisme et, durant toute la guerre, donc, sont actifs dans l'aide aux Juifs, en cachant des Juifs, en fabriquant des faux papiers. La mère Marie réussit à faire sortir 4 enfants du Veldiv avec la complicité des éboueurs, elle les cache dans une poubelle et les fait sortir. Dénoncée, elle est déportée et elle sera gazée. Elle ne reviendra pas. Elle est aujourd'hui reconnue comme une sainte orthodoxe. Le vrai tournant, c'est les rafles dans la zone sud et dans la zone libre, et en particulier la protestation qui brise le silence, comme disait Pierre Laborie, l'historien Pierre Laborie, du cardinal Saliège à Toulouse, donc le 23 août 1942. C'est une des protestations donc les plus fortes. Elle circule beaucoup. Elle est citée par la presse résistante. Elle fait donc écho à un émoi dans l'opinion qui est dû aux déportations. Les camps du Sud sont vidés, les Juifs sont déportés, les familles sont déportées et séparées, ce qui effectivement choque beaucoup la population. Et donc les protestations
de la fin août et début septembre 1942 font écho et portent en avant cet émoi de la population. Mais j'aimerais m'attarder ici sur une figure que je trouve personnellement remarquable, c'est l'évêque de Montauban, Monseigneur Théas, qui lui aussi écrit une lettre le 26 août 1942 et qui est lue en chaire, c'est-à-dire que tous les curés de la paroisse la lisent, le 30 août, le dimanche 30 août 1942. Cette lettre, donc, nous avons dans l'exposition un original, un brouillon à la main, et c'est, je pense, la plus forte, puisqu'il dit « Je fais entendre la protestation indignée de la conscience chrétienne et je proclame que tous les hommes, ariens ou non-ariens, sont frères, parce que créés par le même Dieu. Que les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion, ont droit au respect des individus et des États. Or, les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. » Et Théas s'engage très activement dans la résistance. Il protège aussi des réfractaires du service du travail obligatoire et il sera justement il sera arrêté à la fin de juste avant la libération. Ces lettres, donc, elles sont suivies de la lettre de l'archevêque de Lyon, Gerlier, le 6 septembre, de Mgr Delay à Marseille et de Mgr Moussaron à Albi. Elles ont un impact très fort. Elle provoque la furie de la presse collaborationniste. Vous avez ici un exemple de caricature dans Je suis partout, qui, ici, une satire du Primat des Gaules, donc de Gerlier, qui protège, ici, une caricature très grossière d'un juif avec l'argent, voilà, et qui, donc, tout ça pour dire que le clergé français aurait été vendu aux juifs. C'est l'idée de cette caricature. Gerlier reçoit également des menaces de mort. Vous avez ici un cercueil très mal dessiné, mais qui est envoyé de manière anonyme. Ça, on l'a trouvé dans les archives à Lyon. Donc, aussi bien Gerlier que Saliège à Toulouse reçoivent des menaces de mort, des lettres d'insultes, mais aussi des lettres d'admiration, qui reconnaissent leur courage, qui disent que vous avez brisé justement ce silence qui était étouffant. Donc, on voit une forte portée de ces lettres, même s'il faut les redimensionner, puisqu'on n'a que 5 protestations, 6 si on compte l'évêque aussi de Bayonne, qui était divisé par la ligne de démarcation, auxquelles s'ajoute une protestation de la Fédération protestante de France. L'impact est très fort, puisque Vichy, désormais, sera beaucoup plus prudent, tenant compte, effectivement, de l'opinion publique et de l'influence des églises, mais pas seulement, sur cette opinion publique. Alors, pour avancer un peu plus, je vois que le temps a passé trop vite. Une autre protestation publique, cette fois-ci en Noël 1942, Pie XII prononce un discours de Noël à la radio, qui est la seule allusion, il y en a deux en réalité, mais c'est la plus importante, allusion voilée au génocide, donc elle n'est pas spécifique. Dans son discours, Pie XII ne mentionne ni les nazis ni les juifs, mais il prie pour ceux qui sont persécutés en raison de leurs origines. C'est la seule référence notable à la Shoah dans un discours de Pie XII. Pourquoi le contexte, c'est celui du télégramme Rigner du 8 août 1942. Rigner est un juif réfugié en Suisse et il fait passer plusieurs informations obtenues, enfin, clandestines sur les camps, sur la Shoah, notamment au gouvernement allié. Et il est en relation à Genève avec le Conseil œcuménique des Églises, donc des protestants, qui vont diffuser ces informations. Donc à partir d'août-septembre 1942, on a une diffusion des informations relayées notamment par les Églises et par ce Conseil œcuménique des Églises, qui est écrit ici à la Croix-Rouge. Ce qui nous amène au 23 mars 1943, à une des protestations les plus fortes contre les persécutions, contre le massacre systématique des Juifs par les nazis, et demandant à une aide immédiate pour sauver les juifs d'Europe, c'est l'archevêque de Canterbury, William Temple, que vous voyez ici sur des ruines après un bombardement à Londres. Cette photo est postérieure, elle date de 1944. Mais donc le 23 mars 1943, Temple, à la Chambre des Lords, demande à secourir immédiatement les juifs d'Europe. Au même moment, en Europe du Sud-Est, plusieurs personnalités orthodoxes
émettre des protestations également publiques contre les déportations des Juifs. Donc c'est l'exemple de l'archevêque Damaskinos à Athènes en mars, et également aussi, que vous voyez ici à ma gauche, et à droite, vous avez Stéphane, qui est le métropolite de Sofia en Bulgarie. En Bulgarie, le Saint-Synode bulgare, donc toute l'église orthodoxe bulgare, a protesté très fortement contre les déportations des Juifs bulgares en mars-avril 1943. Le 23 juin 1943, la Gestapo fait une descente au Chambon sur Lignon et Daniel Trocmé est arrêté. Daniel Trocmé, c'est un cousin du pasteur André Trocmé. Tous deux enseignent donc au Chambon sur Lignon. Chambon sur Lignon est un haut lieu, vous le connaissez sûrement, donc un village refuge où sont cachés plus de 2000 juifs et où la communauté protestante se charge de notamment de poursuivre leur éducation. Voilà, donc Daniel Trocmé est professeur. Quand la Gestapo donc, conduit une rafle à la maison où il enseigne, à l'un des internats, il n'est pas présent sur les lieux, mais il se rend pour être déporté avec les jeunes ses étudiants, en fait. Il est emprisonné à Compiègne, il est déporté ensuite à Dora, et il fait partie d'une des marches de la mort, et donc il décède en avril 1944. Il est reconnu juste parmi les nations, comme l'ensemble du Chambon sur Lignon, d'ailleurs. Voilà, donc une figure, là aussi, importante. J'ai choisi de m'intéresser à Daniel Trocmé, mais ce serait tout le Chambon sur Lignon, donc qui mérite ici aussi d'être remarqué. Le 16 octobre 1943, c'est la rafle du Goethe-Dôme. Donc au matin du 16 octobre 1943, les Allemands raflent 1259 juifs à Rome. Rome est occupée par les Allemands du 8 septembre 1943, après la chute du gouvernement de Mussolini, jusqu'au 4 juin 1944. Dans ce contexte de vide de pouvoir, Pie XII, le pape, est une figure morale et d'autorité. Et vous le voyez ici, en août 1943, au milieu de la foule, après les bombardements alliés sur Rome. Donc Pie XII reste une figure d'autorité qui compte à Rome dans ce contexte-là. Face à la grande rafle, il reste silencieux, ce qui lui sera beaucoup reproché dans l'après-guerre, mais une diplomatie en coulisses se met en marche pour essayer notamment de faire libérer les convertis, donc les catholiques d'origine juive, et pour essayer d'empêcher de futures déportations. Mais la diplomatie vaticane reste prudente. De nombreuses églises vont ouvrir leurs portes à Rome, mais ce n'est pas sous l'impulsion du pape, c'est de leur propre initiative. Et on a notamment une figure importante dans ce sauvetage des Juifs de Rome, c'est le père Marie Benoît, que vous voyez ici à gauche, donc d'origine française, qui est un père capucin, qui est d'abord actif à Marseille et à Nice, dans la région sud-est, durant l'occupation italienne de cette région, et qui après donc, vient à Rome, durant l'occupation allemande de Rome. Mais le père Marie Benoît, qui est reconnu juste après la guerre et qui est considéré comme le père des Juifs, hein, son action charitable aurait sauvé plus de 4000 Juifs. Cette action est cependant critiquée à l'intérieur du Vatican parce qu'on le juge trop imprudent. Et il est critiqué notamment ici par Monseigneur Dalla, qui est un des conseillers de Pie XII, qui écrit en décembre 1943, donc 2 mois après la rafle de Rome, écrit « Il y a trop de non-ariens qui fréquentent le Vatican », c'est-à-dire il y a trop de non-ariens, donc de juifs ou de catholiques d'origine juive, qui sont cachés au Vatican, et c'est trop imprudent. À la libération de Rome, donc ça c'est le 4 juin 1944, le père Marie Benoît est acclamé dans le ghetto de Rome. Au même moment, il est intéressant de signaler que quelques jours après, le 10 juin 1944, on a le massacre d'Oradour, dans le Limousin. Pour terminer sur la fin de la guerre, je m'arrêterai sur trois dates importantes. Celle du 7 juillet 1945, ils avaient ici la grande messe du père Riquet, donc ici en tenue de déporté, puisqu'il a été déporté durant la guerre pour des faits de résistance. Une grande messe sur l'esplanade du Trocadéro en hommage à tous les martyrs de la guerre.
On a ici un discours d'unanimisme hein, qui célèbre effectivement en hommage à tous ces martyrs. Et on a, durant cette période de la transition et l'après-guerre, une faible conscience de la Shoah, une faible prise de conscience de son ampleur, mais aussi surtout de sa spécificité. Et le cas du génocide des Juifs n'est pas forcément une question centrale dans la conscience chrétienne d'après-guerre, sauf dans les mouvements d'amitié judéo-chrétienne. Et je pense ici, on peut citer effectivement aussi de nouveau Jules Isaac. Plusieurs controverses d'après-guerre rendent cette sortie de guerre, disons, difficile, notamment l'affaire Finali, donc la restitution des enfants cachés, mais également la question de l'exfiltration de criminels de guerre nazis via Rome et l'Autriche, mais ce sont des criminels de guerre nazis fascistes, mais aussi des miliciens français, comme vous pouvez le voir aussi dans l'exposition. Donc là aussi, la continuation d'une forme d'ambivalence. Enfin, ma dernière date est celle du 7 juin 1979. Donc avant d'être élu pape en 1978, sous le nom de Jean-Paul II, Karol Wojtyla était archevêque à Cracovie, donc à une soixantaine de kilomètres du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Devenu pape, sous le nom de Jean-Paul II, en 1978, donc il effectue une visite officielle à Auschwitz le 7 juin 1979, lors d'un pèlerinage en Pologne. Et il devient ainsi le premier pape à se rendre sur le site du camp d'extermination. Donc il s'agit d'un geste fort, mais qui provoque aussi de nombreuses critiques. Pourquoi ? Parce qu'on critique notamment une forme d'appropriation chrétienne du site. Une grande messe est célébrée par le pape devant 500 000 fidèles, surplombant la rampe d'arrivée des trains. Et quelques années après, éclate le scandale du Carmel d'Auschwitz, hein, dans les années 80, avec l'installation de sœurs carmélites à l'intérieur même du camp, ce qui va fortement envenimer les relations judéo-catholiques, jusqu'à ce que la déclaration du Vatican de 1998, nous souvenons, ouvre la voie à un apaisement. C'est une déclaration donc rédigée par une commission commandée donc par Jean-Paul II, le 16 mars 1998, et qui se veut un acte de repentance contre les erreurs et péchés commis par des catholiques face au génocide des Juifs. Donc à partir des années 80-90, on a effectivement un mouvement de repentance des églises, d'un côté, une reconnaissance des figures des justes, dont j'ai parlé notamment tout à l'heure, notamment Marie Benoît, la mère Marie, par exemple. Et également, en France, on a la conférence des évêques qui se réunit à Drancy le 30 septembre 1997 et qui reconnaît les silences, je cite, de la hiérarchie durant la Shoah et son, je cite, « repli sur une vision étroite de la mission de l'Église ». C'est-à-dire que l'Église entendait avant tout défendre ses propres droits, l'enseignement par exemple, ou de protéger ses fidèles, donc les catholiques qui étaient d'origine juive. Donc un repli voilà, sur une vision étroite de la mission de l'Église. Et c'est cette même concentration sur les intérêts seuls de l'Église qui est dénoncée également par la conférence épiscopale allemande, qui s'est réunie à Bonn le 29 avril 2020, pardon, assez récemment. Une déclaration qui souligne donc l'illusion de l'Église catholique à vouloir protéger la seule institution dans un contexte qui était le contexte du régime nazi et à mener, je cite, une vie juste dans l'erreur. C'est une expression en fait empruntée au philosophe Théodore Adorno, une vie juste dans l'erreur. Et cette expression, il me semble justement, permet de saisir l'ambiguïté fondamentale des choix et des dilemmes qui se sont posés aux acteurs chrétiens. En conclusion, je fais un peu de promotion pour notre beau catalogue, mais ce qui le permettra de prolonger l'exposition et prolonger ces discussions. Surtout, ce qui est intéressant sur cette couverture, c'est la pluralité des acteurs. Et c'est ça que nous avons essayé de montrer à travers cette exposition, c'est qu'elle ne se limite pas à une seule polémique ou à une seule disons, polémique focalisée sur le pape, mais elle est bien constituée d'une pluralité d'acteurs, ce qui nous montre que l'intérêt d'étudier les églises, c'est aussi d'étudier comment des institutions réagissent à une situation de violence extrême et que ces institutions donc, sont constituées d'hommes et de femmes et que leur réaction donc, se compose d'une complexité, d'une palette, disons, d'attitudes.
Alors, diplomatie et évangile vont-ils ensemble? Se demandait le héros du film Amen, donc de Costa Gavras en 2002. Et je trouve que cette citation, justement, synthétise bien certains des dilemmes que j'essaie de montrer dans cette présentation. Diplomatie et évangile vont-ils ensemble? On pourrait y accoler l'expression, la citation d'Albert Camus dans Combat, qui ouvre cette exposition, vous le verrez également. Le 26 décembre 1944, dans Combat, Albert Camus commente un discours du pape, un discours de ralliement à la démocratie, et dit « Il y a des années que nous attendions que la plus grande autorité spirituelle de ce temps voulût bien condamner, en termes clairs, les agissements des dictatures. Disons-le clairement, nous aurions voulu que le pape prît parti, au cœur même de ces années honteuses, et dénonçât ce qui était à dénoncer. » Et dans un autre extrait de Combat, toujours ce même éditorial, Camus écrit « Notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de cœur brûlant. » Donc diplomatie est-il évangile, évangile vont-ils ensemble ? Notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de cœur brûlant. Ces deux citations, je vous laisse avec ces deux citations parce que je pense que dans cette exposition, nous avons voulu donner des clés de lecture à chacun et chacun pourra se faire un jugement en sa propre conscience. Je vous remercie. Prendre vos questions. Oui, il y a deux questions, monsieur. Bonjour. Une petite question. Donc, j'ai eu vent de quelque chose qui a vacciné Pie XII. C'était une protestation officielle en Hollande de la part de l'Église catholique et protestante unie qui a eu pour effet de déporter l'ensemble des juifs, y compris ceux catholiques et protestants. Quelle était la réelle influence de cette protestation dans le comportement de Pie XII pour la suite? Est-ce qu'il n'a pas été victime d'une hyperprudence? Est-ce qu'on prend plusieurs questions? Je réponds tout. On va prendre les deux premières questions, parce que j'imagine que... Oui, on a à peu près 25 minutes. Bonjour, merci pour votre exposé très clair. Moi, ce que j'aurais souhaité savoir, c'est si l'ouverture des archives du Vatican récente nous permet d'en savoir plus aujourd'hui sur la contribution, ou même peut-être la complicité du pape Pie XII à la constitution des réseaux Red Lines d'exfiltration nazie, notamment vers l'Amérique du Sud. Merci. Oui, c'est deux grosses questions. Donc, sur la question de la Hollande, oui, c'est une très bonne question parce que, d'ailleurs, je parlerai un petit peu de la Hollande dans la table ronde après, en fait. Parce qu'effectivement, on a le clergé catholique hollandais prononce des protestations très fortes, en réalité, dès le printemps 1942, et souvent en accord avec aussi l'Église protestante des Pays-Bas. Une de ces protestations, donc de la mi-juillet 1942, dénonce les déportations des Juifs des Pays-Bas. En représailles, le gouvernement d'occupation nazie, effectivement, déporte surtout même des catholiques d'origine juive, et notamment Edith Stein, qui était une juive allemande convertie au catholicisme et religieuse. Elle avait envoyé, notamment en 1935, une lettre à Pie XI pour l'alerter des lois antisémites en Allemagne nazie. Donc on a un grand nombre effectivement de catholiques d'origine juive et de religieux qui sont arrêtés à cette occasion. Donc c'est vraiment, ça se veut un acte de représailles. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est deux choses. Cet acte de représailles, il n'intimide pas l'Église catholique des Pays-Bas, qui au contraire continue à protester publiquement tout au long de l'automne 1942 et encore plus dans l'année 1943 avec une force qui me semble, au sein du monde catholique, je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc, c'est-à-dire où ils appellent, il y a vraiment un appel à la résistance, que toute complicité est coupable. Enfin, ils disent en tant que pasteur, pour vos consciences, toute complicité vous rend coupable.
Donc voilà, ça n'intimide pas le clergé catholique et au contraire, on a de nouvelles protestations. L'autre élément, c'est qu'en réalité, les Pays-Bas et le Vatican sont en réalité coupés puisque le nonce qui était aux Pays-Bas, avec l'invasion allemande des Pays-Bas, rentre à Rome. Donc on a une coupure de cette liaison diplomatique. On a, cela dit, un attaché sur place qui envoie des lettres régulièrement, mais elles arrivent avec beaucoup de retard. Et en réalité, ce que j'ai trouvé dans les archives du Vatican, c'est que on a aucune réaction qui va dans ce sens, dans le sens que vous disiez, qui est effectivement un peu la vulgate. Hein. C'est une idée, on a l'idée que c'est protestations et représailles aux Pays-Bas auraient beaucoup influencé Pie XII. En réalité, il n'en est rien. La peur des représailles, c'est un des facteurs clés qui explique le silence, effectivement, enfin, dans la majorité, disons, le silence de Pie XII, mais ce n'est pas le seul. Et il ne vient pas forcément de cette action-là précise. C'est quelque chose qui est plus enraciné, en réalité, dans le parcours aussi de Pie XII. Donc voilà, donc ça c'est un aspect important. Et juste pour compléter, en avril 1943, Pie XII écrit à l'évêque de Berlin, Mgr Pressing, pour lui dire « En matière de questions juives, sur les affaires juives, je laisse aux pasteurs locaux l'initiative d'évaluer les risques et de prendre des décisions. » Donc en fait, Pie XII, disons, délègue, et c'est d'ailleurs assez... C'est assez logique, en fait, dans le fonctionnement interne de l'Église. Il délègue aux pasteurs locaux la faculté d'évaluer, de juger s'il faut intervenir ou pas. Et Pie XII précise d'intervenir ou non en évaluant, sans causer des maux plus grands encore. Donc c'est la politique, disons, du moindre mal, le silence comme peut-être un moindre mal. Donc voilà, c'est cette question-là. Alors... Pour la question de l'ouverture des archives Pie XII et des réseaux de la ratline, donc effectivement les réseaux d'exfiltration par des voies catholiques après la guerre. Donc c'est très dur, en réalité c'est assez compliqué dans les archives Pie XII parce que cette aide est cataloguée comme aide aux réfugiés dans l'après-guerre. Donc, bien sûr, il n'y a pas un dossier au Vatican qui s'appelle Ratline, ce serait trop facile. C'est plus complexe que ça, mais par contre, les documents sont là, en réalité. Ce que Pie XII en pense, ça, c'est très difficile à savoir, parce qu'en réalité, on a très peu de... Finalement, Pie XII est peu présent dans les archives. C'est surtout une administration, en fait. Le Vatican, c'est un vrai gouvernement, et donc on voit, par contre, les débats internes au sein du Saint-Siège sur ces questions-là. Qui sont donc beaucoup. On a donc à l'époque une protection des nazis, certains nazis, surtout allemands et surtout autrichiens, pardon, via Udall, qui est donc un cardinal autrichien à Rome. Donc ça, c'était déjà connu par d'autres sources en réalité. Les archives du Vatican viennent donner plus de détails là-dessus. Pour l'instant, de ce qu'on en sait, on ne sait pas quelle était la position de Pie XII vis-à-vis de ça. Ce qui est sûr, c'est que pour des questions comme les miliciens français, il y a un débat interne au sein du Vatican sur cette question. Parce que, par exemple, Étienne Fouillot, qui je remercie d'être présent, l'avait aussi démontré pour le cas du cardinal Tisserand, Eugène Tisserand, qui a été reconnu juste parmi les nations, mais qui a aussi protégé des miliciens français à Saint-Louis-des-Français, à Rome, donc après la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Jacques Maritain, donc célèbre intellectuel catholique, qui était ambassadeur de France près le Saint-Siège, s'oppose à cette action de Tisserand et lui dit « ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des criminels de guerre ». Donc on a ici un débat interne au sein même du Vatican. Donc pour dire que la question n'est pas, disons, complètement binaire. Ce qui est intéressant, c'est que Tisserand justifie le fait de protéger ces miliciens en disant « c'est la charité chrétienne, c'est au nom de l'universelle charité ». Et il précise bien, il dit « en 1942-43, nous avons accueilli des réfugiés français, ils étaient juifs, nous les avons cachés hein. ». En 1945, nous accueillons des mêmes réfugiés français, catholiques. Voilà. Donc c'est cette idée que ils ne font pas de distinction, finalement, au nom de cette charité. Voilà. Oui, madame, au premier rang. Voilà.
Aglan. Merci Nina pour cet exposé extrêmement lumineux. Tu as parlé de jeu d'échelle au début de ton intervention. Et je me demandais si, à travers les archives et pas forcément celles du Vatican, tu avais accès justement au niveau premier de la hiérarchie, à savoir ces curés qui ont la possibilité de lire ou pas. Est-ce que par exemple, est-ce que tu sais si elle est vraiment lue, cette lettre de Monseigneur Théas? Est-ce que certains se sont dérobés cette lecture? Enfin voilà, quel est ce premier niveau? Enfin, de quelle manière on peut avoir connaissance des actions qui seraient donc en faveur des protestations ou au contraire une totale inaction? Oui, je réponds. Oui, alors c'est un aspect très important qui peut être compliqué effectivement à voir. C'est pour ça que dans l'exposition, on a aussi, comme souvent, il manque ce maillon qui est celui vraiment du curé. Donc on a fait un enregistrement des lettres pour donner justement l'aspect, comme c'était des lettres lues en chair, pour essayer de redonner cet aspect de lecture. Mais c'est un aspect un peu difficile à voir. Ce qu'on sait, c'est que dans leur majorité, les lettres sont lues. Avec quelques réticences, effectivement, tout comme il y a des réticences côté protestant, par exemple, pour les lettres des pasteurs, enfin, la lettre de la Fédération protestante de France, mais c'est une minorité. On sait que, je crois, 8 pasteurs ont refusé de la lire, et la Fédération protestante réitère le fait que c'est une obligation de lire cette lettre pastorale d'octobre 1942. Pour le côté catholique, donc, c'est plus difficile à voir, parce qu'on a une structure, finalement... centralisé, mais qui reste justement fortement maillé. Enfin, on a ce maillage ecclésiastique, non ? Donc, c'est en fonction des diocèses. Ce que moi j'ai vu au Vatican, c'est que le nonce commente sur effectivement les curés qui lisent en chaire ces lettres. Il commente aussi sur le fait que ces lettres sont instrumentalisées par la résistance, et c'est quelque chose dont il a peur, parce qu'il dit les communistes lisent la lettre de Saliège. J'en parlais tout à l'heure aussi. Et la presse, effectivement, la presse étrangère diffuse beaucoup. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est une lettre anonyme qui est dans les archives du Vatican, mais il y a aussi une copie dans les archives nationales, je crois, mais l'original est au Vatican. C'est une lettre anonyme qui est envoyée à la fois au nonce Valéry à Vichy et à Pétain, il me semble, d'un curé de la région marseillaise. Alors, bon, la lettre me semble vraiment écrite par un curé parce qu'il y a quand même une culture ecclésiastique assez visible. Et là, il dénonce la lettre de Delay à Marseille en disant c'est une honte, l'évêque Delay est vendu aux gaullistes. C'est très anti-gaulliste comme lettre. Et après, bien sûr, il dit il est vendu aux juifs. Et c'est une lettre très, très, très antisémite aussi. Mais c'est un des rares exemples que j'ai pu trouver. Quelques exemples en Algérie aussi. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais plus s'il marche ce micro. Ça me rappelle le surnom donné à Gerlier, oui. le primat des gaullistes. Oui, ah oui. Oui. Ces évêques qui ont protesté ont aussi reçu beaucoup de courriers de chrétiens fervents qui, enfin, avaient une réponse qui leur convenait de la part de leur représentant, enfin de leur hiérarchie. C'est ce qu'on montre aussi effectivement dans l'exposition. Surtout Toulouse, on a vu les archives à Montauban, Toulouse et Lyon. Et dans l'ensemble, ce sont plutôt des lettres de remerciement. Donc il y a quelques menaces de mort, quelques condamnations, quelques insultes, mais dans l'ensemble, ce sont plutôt des lettres de remerciement qui saluent le courage, qui viennent aussi bien de religieux, mais aussi de... on a par exemple le régisseur de la Comédie française qui écrit à Gerlier pour le remercier. Et il donne un témoignage aussi sur ce qu'il a vu lors de la rafle du Valdiv. Oui, attendez, on va vous donner un micro. Informations supplémentaires sur les exfiltrations. Attendez, on vous entend pas. Les informations sur les exfiltrations d'anciens nazis grâce au circuit de l'Église, les exfiltrations vers l'Amérique du Sud en particulier. Dans l'après-guerre. Oui. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas non plus le sujet que j'ai le plus recherché pour l'instant et ça reste. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans les archives du Vatican, mais ça demande un travail un peu plus long. Moi, je me suis intéressée surtout à la question des miliciens français, pour l'instant, et la question de Tisserand.
Mais globalement, ce sont des réseaux d'exfiltration effectivement qui fonctionnent via un bureau d'aide et un bureau d'immigration au Vatican qui surtout cherche à favoriser entre les différentes ambassades l'obtention de visas pour l'Amérique latine pour certains des miliciens ou certains donc des criminels de guerre, principalement l'Argentine, un peu effectivement aussi le Brésil. Voilà, donc c'est une question sur laquelle il y a beaucoup plus à faire et on en parlera le 11 décembre, en fait, quand on aura un spécialiste de la question, pour la question en plus le côté nazi. Et voilà. Et bon, après, c'est un vaste sujet, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus non plus. Monsieur. Une petite question, c'est par rapport à Budapest, lors des rafles de Reichmann. À ma connaissance, il y a le futur Jean XXIII, c'était Mgr Roncalli. Non. Qui aurait peut-être agi au niveau des visas. Qu'est-ce qu'il en est de protection diplomatique en parallèle de Raoul Wallenberg? Est-ce que c'est à son initiative ou est-ce que Pie XII aurait été un petit peu à l'origine de quelque chose? C'est à Budapest, c'est Rota, en fait, qui est le représentant diplomatique à Budapest. C'est pas Roncalli. Roncalli est à Istanbul. Et en Grèce, c'est le délégué apostolique à Istanbul, donc il est voilà. Et c'est Rota qui est à Budapest. Et il est reconnu juste parmi les nations parce qu'effectivement, c'est dans les diplomates du Vatican, c'est probablement celui qui va le plus loin, avec Cassulo aussi en Roumanie. Les deux, donc Rota à Budapest, Cassulo à Bucarest. C'est les deux qui vont le plus loin. Dans la Rota, notamment, n'hésite pas à fabriquer des faux certificats de baptême, ce qui est assez fort, et à cacher effectivement des juifs. On a une tentative d'intervention aussi de Roncalli à l'époque de médiation sur le cas de la Roumanie et de la Hongrie. Pour l'instant, il n'y a rien qui ressort sur une possible directive directement de Pie XII dans les archives. Mais encore une fois, parce qu'ils n'en ont pas forcément... Il y a une correspondance, si vous voulez, entre ces différentes nonciatures et la secrétaire d'État. Après, il est assez difficile de voir ce que Pie XII en pensait. Souvent, on a quelques instructions qui sont données, donc répondre de telle manière, par exemple. Sur ce cas-là spécifique, pour l'instant, rien de tangible, en tout cas, comme preuve. Donc, ce sont plutôt des initiatives personnelles non reliées à leur hiérarchie. C'est plutôt des initiatives locales des diplomates qui, bien sûr, ont informent souvent après coup, en fait, Rome. Aussi parce que la correspondance peut mettre du temps à arriver. Bon, on a un système à la fois de télégraphe et de lettres, mais c'est souvent finalement plus une forme d'approbation après coup que d'initiative qui viendrait de Rome. C'est vrai qu'on a tendance à voir l'Église, le Vatican et l'Église catholique comme effectivement quelque chose de très hiérarchique et de très pyramidal, ce qui est vrai, mais dans la réalité, dans l'organisation hiérarchique, dans la réalité des faits, c'est souvent, surtout dans le contexte de la guerre, c'est plutôt les initiatives locales qui comptent. Oui, on va prendre les deux questions, monsieur et madame. C'est une question courte qui concerne l'immédiat après-guerre. Est-ce que dans les archives du Vatican, il y a quelque chose de concret sur l'entrevue de Jules Isaac et par Pie XII, qui semble avoir été assez expéditive par rapport à celle qu'il aura lui-même plus tard avec Jean XXIII? Écoutez, pour l'instant, non. J'ai cherché un peu Jules Isaac, je n'ai rien trouvé sur Jules, de manière très surprenante. Pour l'instant, sur Jules Isaac, je n'ai rien trouvé au Vatican. Je pense qu'il faut faire plus de recherches spécifiquement sur ça. Moi, je me suis intéressée, aux audiences de Maritain avec Pie XII, et notamment celle qui répond au programme de Kielce. Donc on l'a mis également dans l'exposition. Le programme de Kielce en juillet 1946, donc contre principalement des rescapés juifs de la Shoah en Pologne. Et Maritain, qui est scandalisé par ce pogrom antisémite après la Shoah, écrit à Montini pour demander une audience au pape
en disant il est temps de vraiment dénoncer l'antisémitisme publiquement, puisque l'Église n'a plus à craindre les représailles, n'a plus à craindre les représailles nazies. Le silence, en fait, maritain justifie le silence de Laurent Laguerre, mais en disant maintenant, donc voilà, nous n'avons plus à craindre les représailles, il faut parler explicitement. Et ce qu'on peut découvrir dans le Vatican maintenant, c'est qu'il y a une fin de non-recevoir, et les raisons pour lesquelles le pape ne s'exprime pas sont de plusieurs ordres, des raisons géopolitiques liées à l'après-guerre, des questions, ils considèrent que le pape a déjà parlé assez explicitement, ce qui n'est pas le cas, mais eux, de leur point de vue, considèrent que c'est le cas. Et l'autre raison aussi, il y a un commentaire à la marge qui dit, et en tout cas, les juifs sont aussi en train de se venger dans certains contextes. Donc c'est une multiplicité de facteurs qui fait que en fait, l'immédiat, l'après-guerre n'altère pas, la Shoah n'altère pas la vision, cet anti-judaïsme très très prégnant encore. Il faudra attendre effectivement plutôt Jean 23. Merci beaucoup, Nina, pour cette présentation. J'avais une question à propos de ce que tu as évoqué tout à l'heure sur les églises locales et sur le rapport peut-être avec les modes de gouvernement de Pie XII. Ce que je retiens, si je ne synthétise pas à l'excès, c'est qu'on a dans les années 30 plutôt un Vatican, un Saint-Siège qui va revendiquer un peu la responsabilité au regard des relations avec les États et avec les politiques, notamment de répression, qui préfère garder la main, on va dire, sur ces questions. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, par la force des choses, le Vatican est obligé de s'en remettre davantage aux épiscopats, aux églises locales. De la même manière, tu as beaucoup souligné combien les actes de résistance relèvent du choix des individus, ce qui semble assez clair. Tu as parlé également de la réaction des catholiques du Danemark. Donc, est-ce que finalement, et puis ces coupures aussi entre le Vatican et des communications plus difficiles avec les diplomates ou avec les églises locales. Est-ce que cela a... Quel impact est-ce que cela peut avoir sur le mode de gouvernement de Pie XII après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on dit en même temps que c'est un pas plutôt autoritaire. Est-ce que tu penses... C'est certainement beaucoup trop précoce, mais est-ce que tu penses que les archives peuvent déjà nous apporter... les nouvelles archives peuvent déjà nous apporter des indices ou peuvent renouveler un petit peu notre connaissance, même si je me doute qu'on est encore au tout début d'un champ de recherche assez vaste. Oui, merci. En fait, effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire et au sein des différentes églises nationales. Parce que si vous voulez, au Vatican, il y a chaque poste diplomatique dans tous les pays du monde, en fait, renvoie des informations au Vatican et vice-versa. Donc, c'est vraiment le Vatican qui concentre ces archives qui viennent du monde entier. Et c'est un peu un réceptacle. Donc je pense qu'effectivement il y a encore beaucoup à faire sur plein de pays, mais ce qu'on peut voir au Vatican, ce qui nous manquait un peu dans l'historiographie sur la question, c'est l'articulation effectivement des échelles, en fait l'articulation ou la non-articulation entre le niveau Vatican et le niveau du nonce apostolique et le niveau local, enfin le niveau de la hiérarchie nationale. Ce qui est sûr, c'est que donc on a quand même une tendance à laisser faire le niveau local, aussi bien pour des raisons finalement de fonctionnement ecclésiastique que parce que le contexte de la guerre force les choses. Mais il est clair que donc ces actes de résistance relèvent des décisions effectivement individuelles, souvent locales ou en réseau. Il y a quand même un fonctionnement en réseau très très fort. Mais il est évident que la circulation d'informations, de déclarations joue aussi un rôle. Et donc... aujourd'hui, enfin, il est assez difficile de dire que Pie XII a dénoncé clairement la Shoah, puisqu'il ne l'a pas fait. Il dénonce la persécution, ceux qui sont persécutés en raison de leurs origines. Mais il ne parle pas de juifs, il ne parle pas de nazis. Donc, c'est pas comme le disait Camus en 1944, ce n'est pas une déclaration que le commun des mortels pouvait vraiment comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que certains, sur le terrain, sentent que ce message les invite aussi à résister, les invite à des actes de charité. Donc la question, c'est aussi comment les acteurs sur le terrain reçoivent ces discours qui viennent du haut, les interprètent et peuvent effectivement les utiliser comme actes de mobilisation,
comme discours de mobilisation, disons. Mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, les discours que l'on trouve le plus dans ces actes-là, c'est Saliège en particulier, ou Témoignage chrétien. Alors, on va prendre les dernières questions. Oui. Merci. Merci pour tout. Vous m'avez aidé parce que quand j'étais au Vatican, je voulais parler d'un incident dont vous êtes sûrement, vous savez très bien, que c'est un incident qui montre qu'il y avait des vraies conséquences si on faisait une protestation ou on essayait de faire. C'est pas simplement cacher des enfants. Ou si je me souviens, un prêtre ou un archevêque a refusé de donner la communion à un officier nazi en Belgique. Et le lendemain, contre les promesses locales que l'officier nazi avait fait, ils ont déporté des juifs convertis, les catholiques non ariens. C'était immédiat, le lendemain. Et c'est-à-dire que la marge de manœuvre dont vous avez parlé était assez étroite. Et puis, bon, je suis toujours en train de découvrir des choses que vous avez vues aussi, mais il y avait énormément de anticommunisme exprimé dans les archives à partir de la libération de Rome, parce qu'il y avait beaucoup de communistes et le pape était obsédé par ça. Et je pense que ça a beaucoup influencé l'aide qu'ils ont redonnée aux anciens nazis. C'est mon avis, mais je pense que d'autres ont dit aussi. Alors oui, alors c'est des questions complexes. Pour le cas de la Belgique, c'est en fait ça suit plutôt le cas des Pays-Bas, c'est-à-dire qu'on a un contexte où on a effectivement deux pays d'occupation totale, d'occupation brutale, où on n'a pas vraiment de gouvernement, disons intermédiaire, et où les conditions d'occupation sont d'autant plus brutales. Donc c'est l'écho de ces protestations dépend aussi des formes d'occupation, des formes de relations entre occupants et occupés. Donc forcément, enfin, cette question de la peur des représailles est toujours, je dirais, à contextualiser et en faisant attention à ne pas faire d'histoire contrefactuelle qui est toujours... Enfin, après, c'est inévitable qu'on y pense parce que c'est aussi une question justement de conscience de se dire « et si ?» Le pape avait parlé, ils auraient fait ça ici. Voilà. Mais ça, d'un point de vue purement historien, ça reste une histoire qui est écrite au conditionnel, donc qui reste, disons, contrefactuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'en voyant une multiplicité d'exemples, on peut se dire aussi qu'une autre voie était possible. Ça, c'est pas, voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de regarder la pluralité des actions et des comportements pour se dire que le silence ou la passivité n'était pas forcément la seule voie possible, bien sûr. Sur la question du communisme, oui, c'est évident, c'est très très fort, et surtout, non seulement Pie XII, mais aussi une grande partie, bien sûr, de l'administration vaticane, et je pense à Tardini qui est un peu, avec Montini, disons, le second de Pie XII, surtout pour les affaires internationales, et qui prend assez vite conscience du tournant que va prendre l'opposition, justement, disons, anticipant un peu la guerre froide. Et aussi, dans l'exemple que je citais tout à l'heure de Tisserand, Tisserand dit il ne faut pas que ces miliciens rentrent en France, il ne parle pas de miliciens, il parle de réfugiés, il ne faut pas que ces réfugiés rentrent en France, car ils vont être jugés par un tribunal communiste. Voilà. Donc il y a un très fort anticommunisme aussi du côté de Tisserand dans l'après-guerre, par exemple. Bien, alors une dernière question. Merci beaucoup. Je pensais aussi, en vous écoutant, à ce groupe qui, en Allemagne même, a osé s'élever contre le nazisme.
ce groupe de la Rose Blanche avec Sophie Scholl et tous les autres. Je ne sais pas si dans ce groupe il y a eu d'une manière ou d'une autre des protestations au sujet du sort réservé aux Juifs, ça je ne sais pas, mais peut-être que vous pourrez nous le dire. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur ce groupe-là, mais je pense que c'est une question, justement, où dans les archives du Vatican, on devrait pouvoir voir un peu mieux les potentielles relations avec ces groupes résistants. Mais pour le cas de l'Allemagne, c'est difficile parce que, encore une fois, voilà, les contacts sont... Les contacts étaient plus, disons, difficiles et une partie des archives ont été détruites par un bombardement à la fin de la guerre. Donc il nous manque un peu le lien entre la connexion, si vous voulez, entre Rome et ces groupes-là. Après, c'est des groupes qui fonctionnent en réalité beaucoup, pareil en France, hein, pour tout ce qui est amitié chrétienne, en réseau interconfessionnel en réalité. Et le cas aussi en Hollande. Voilà, les protestations en général les plus fortes souvent émergent de réseaux qui sont interconfessionnels protestants catholiques. Sur ce cas spécifique, je ne pourrais pas vous en dire plus, ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement étudié. C'est vrai aussi pour les réseaux de sauvetage, tout ce qui est interconfessionnel. Oui, complètement. Oui. Bien, Nina Valbousquet, merci infiniment pour cette première conférence. On a un tout petit peu de temps avant la seconde conférence à 16h30. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous rendre à la librairie du Mémorial, si vous souhaitez acquérir donc le catalogue de l'exposition